Là, j'ai une montagne. On va voir un petit peu ce qu'il y a par là. J'essaie de... Je contourne la montagne jusqu'à trouver un chemin. Normalement, je devrais avoir un chemin quelque part. Non. Bon, on va... Du coup, on va retourner à la citadelle d'Hera. Bien. Le mercenaire. Très bien, maintenant que tu as du sel, il te suffit de le transformer en réceptacle d'énergie pour le normaliser. Et ensuite, avec ton énergie vitale, d'habitude, je détaille beaucoup plus le processus, mais tu es un alchimiste, tu n'as pas besoin de plus de détails. Merci, je vais essayer. Appuie sur H. Ah, ok, il y a un raccourci. H ou le bouton soin de l'interface pour soigner avec 1 g de sel. Ok. Donc ça c'est bon. Le monsieur là-bas, qu'est-ce qu'il voulait? Tu as déjà trouvé des fragments, hein? Mais il va m'en falloir plus. Ok, d'accord. Ah oui, lui c'est. Oui, lui c'est la glace, lui. Et du coup, maintenant que je suis alchimiste d'eau, est-ce que lui veut me parler? Ah, tu es revenu. Oui, vous vouliez que je revienne avec plus de puissance. J'ai maintenant la force élémentaire. Très bien, très bien. Connais-tu les homoncules? Ouais, les homonculus. Oui. Ces êtres élémentaires sont dangereux pour les humains. Ils doivent être détruits. Tu peux te charger de cette quête. Pourtant, on avait vu en cours que les homonculus vivent en paix avec nous, les mortels. Il était même dit que c'est faux, il s'agit de propagande élémentiste. Tu n'oserais quand même pas donner tort à un vieil homme comme moi. As-tu déjà entendu parler des cœurs de terre? Non, jamais, qu'est-ce que c'est? Les cœurs de terre sont à l'état naturel des cœurs en terre glaise situés sous la terre, là où personne n'a jamais marché. Ces cœurs produisent de la magie aérienne. À partir d'une certaine concentration en magie, un nouveau cœur de terre apparaît, tel est le cycle. Mais ça, c'est la théorie. En pratique, tous les homoncules gardent pour eux ces cœurs de terre. Et si nous ne faisons rien, ils vont garder toute la magie. Et nous n'en aurons plus. Mais c'est horrible. Exactement, c'est pour cela que nous devons nous battre contre eux et récupérer ces cœurs de terre. N'oublie jamais ce que tu as appris à l'école d'alchimie. Quel élément bat quel élément? Oui, bien sûr, je vous fais totalement confiance. Tellement pas! Par contre, devant la puissance des homoncules, n'avez pas peur que cela déstabilise la magie et puisse créer un cataclysme ou quelque chose du genre. Mais non, rassure-toi, un cataclysme, mais où as-tu entendu des choses pareilles? Non, juste une théorie que j'avais comme ça, mais vous avez raison, il n'y a aucune raison de s'inquiéter, je reviendrai dès que j'aurai un cœur de terre. Mouais. Mouais, pas confiance. Bon, du coup... Ah, bah c'était pas là. Excusez-moi, c'était pas là.
C'était là. Voilà. Oh bah justement. Oh, tellement facile. Tellement plus facile. Je sais pas quel PNJ me demandera du soufre, mais il va être servi, hein. Ah bah non, en fait, bah oui, je suis bête, j'étais déjà en haut, en fait. Du coup, c'était lui le dernier, c'est ça? Non, on devait en avoir un plus loin, si je dis pas de bêtises. Il y en avait un autre pas loin. Ouais, voilà, près du coffre, là-bas. Trop facile. Bien. C'est étonnant que j'ai rien trouvé entre deux. Du coup, je propose c'est qu'on aille. Bon, on va retourner à la pointe nord rapidement. Non, on va essayer de s'engouffrer là-dedans. On va essayer de s'engouffrer là-dedans pour voir un petit peu ce qu'il peut y avoir. On va sauvegarder. Par contre, j'ai un doute. Je sais plus par où aller. C'est pas grave. Il y a un chemin là. Pas de bol, c'est de l'autre côté. Là-bas, visiblement. Ouf. On va encore se faire quelques squelettes. Tiens, c'est drôle, il a une armure, lui. Ok. Pour le moment, tout va bien. Eh ben ça grimpe, hein. J'ignore s'il y a quelque chose là-haut, mais... J'arrive au bout. Wow. Élément d'air. On doit être pas loin de la guilde de l'air. Exact.
Venu à la guilde de l'air, alors comme ça tu souhaites rejoindre notre guilde. Oui, j'ai toujours rêvé de maîtriser la force de l'air, par quoi dois-je commencer? Tu dois ressentir la force de l'air en toi, ressentir sa puissance, et le mieux pour ça est de trouver 10 grammes d'éléments d'air. Ça peut te paraître beaucoup, ta 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 ta. Ok. Bon, c'est la même quête pour tout le monde, hein. Oh bah. Tout est là. Par contre, j'ai pas vu où était la. Ah si, la stèle est là. Le déplacement a échoué. Ok. C'est bon. Guilde de l'air. Du coup, voyons voir un petit peu à quel point celle-là est pétée. Pour voir un petit peu. L'avantage, c'est qu'on va pouvoir changer comme on veut, quoi. Hâte de tester ça. Alors, il y avait un chemin de l'autre côté. Du coup, on va jeter un œil. Ok, on se tire. Qu'est-ce qui bat l'air? Rappelez-moi, qu'est-ce qui bat l'air? C'est le feu qui bat l'air. Par contre, l'air bat l'eau. Du coup, je peux essayer d'aller maintenant affronter les boss en bout de plage. On va essayer ça. On va essayer ça tout de suite. Je vais aller me TP au bout de plage. Je vais sauvegarder comme ça. Je vais pas me healer. Je sais que je peux appuyer sur H à tout moment pour me heal. Et je vais aller affronter. Celui-là, et on va voir un petit peu qu'est-ce que ça dit. Cœur de terre. Alors, tu peux ramasser, s'il te plaît. Ok. Donc on a ce truc-là. Donc on va retourner à la citadelle. Mais ouais, ok. Donc clairement, hein, c'est ça le secret du truc. L'aventure a été sauvegardée. Ok. Je vais juste faire une petite pause. Hop. Juste une petite pause d'enregistrement. Je reviens dans une seconde. Bien, suite. Donc, tu es revenu. Tu as un cœur de pierre, je peux sentir son aura. Oui, ça a été un combat très difficile, mais j'ai triomphé. Bravo, bravo. Tu vois ce que c'était. Et tu vois que c'était une très bonne chose. Il y a 6 autres homoncules sur le continent, je le sais. Je te fais confiance pour récupérer aussi leur cœur. Tu en es capable. C'est tellement la merde. Très bien, je vais récupérer ce qu'ils nous doivent. Mec, t'es en train de te faire endoctriner là, t'es en train de te faire embobiner. Mais bon, vu que le jeu visiblement. Bon. Du coup, on va se faire l'autre de l'autre dos du résultat. Il y en avait un autre dos pas loin de la guilde.
Ok, à chaque fois qu'on se TP, on a une sauvegarde. La vache. Ah ouais, d'accord, ok. J'aurais dû prendre le bout de plage, ça aurait été plus rapide. Bon, c'est pas grave. On doit être pas loin. Voilà, c'est là-bas. Ok. Donc on en a eu deux d'eau. Il y en a un de d'air, mais on n'a pas le niveau. Il nous faut le feu, c'est ça, il me semble. C'est ça. Il nous faut les éléments de feu pour pouvoir trouver ça. Du coup, il doit y avoir une pierre là, mais je l'ai pas vue. On va retourner à la citadelle d'airain et on va essayer de. On va essayer d'aller par là, là. Par là, à mon avis, il doit y avoir la terre. Du coup, faut qu'on aille. Non, de l'autre côté, faut qu'on aille à l'ouest. Non mais. Attendez, il y a un problème d'orientation avec la carte ou comment ça se passe? Mais ouais, c'est inversé. Ah! C'est inversé. Les points cardinaux sur la carte et la boussole sont inversés. C'est quoi ça? Quelque chose par là. Un cimetière. Ah, le fameux cimetière, ouais, ok. C'est vrai qu'il y avait cette quête. Ça déconne zéro l'épée que j'ai. Hein. Enfin, les épées élémentaires en général, ça déconne zéro quoi. Bon, les squelettes sont neutres hein, vis-à-vis. Apparemment, il n'y a pas de. Il n'y a pas de. Comment de. Ils ont pas d'éléments plus faibles que d'autres. C'est du moment qu'on a un élément, on leur inflige 50 de dégâts. Ah, il y a un truc là-bas. Ça, à mon avis, c'est un cristal de vide, ça. Non, c'est encore un. Oh, ça veut dire que j'ai un cristal en plus.
Bon. Ok. Du coup, si je me dirige par là. J'ai une espèce de forêt noire là. Quelque chose par là. Le truc, c'est je sais pas combien le heal me ramène de vie. J'ai pas fait attention à ça. Ouh. De la glace noire. Ok. J'ai cru que c'était un mob. Mais je savais pas. Ok. On a encore. Ça m'en fait 4. Ok. Donc c'est pas par là qu'il y avait. C'est pas par là que se trouvent les éléments. Enfin, la guilde de la Terre. Mais on a récupéré quand même deux cristaux de. Deux cristaux de glace. Ah mais hé hey, ah. Vous voyez, c'est ça qui est chiant à pas utiliser ZSQD. Excusez-moi, ZSQD. C'est qu'en utilisant le clic, évidemment, il fait un pathfinding et parfois il spawn. Bon. Je suis où là? Donc je suis en train de rebrousser chemin. On a fait ça. Du coup, si je vais à droite maintenant. Voyons un petit peu ce qu'il y a par là. Il ne semble pas y avoir grand-chose pour le moment. Et là-bas, j'ai été, c'est l'entre-deux-ponts. Ok. Donc ça, ok. Donc cette partie-là est faite. Donc moi, je propose, c'est qu'on retourne... Tac, 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 tac. À la pointe nord, et on va descendre le long de ce chemin qu'on n'a pas fait. Ce qu'on a fait tout à l'heure, on a fait ça pour arriver à ça, à la guilde de l'air, hein, c'est ça. La guilde de l'air est là-bas, donc je vais voir ce qu'il y a au bout de ce chemin, si c'est le feu ou la terre. Mais je pense qu'ici c'est le feu et que là-dedans c'est la terre. À moins que ça, ce soit un volcan, et dans ce cas, le feu est ici, mais on verra bien. Du coup, point du nord. On va essayer de passer par là, du coup. Normalement, j'ai un chemin qui bifurque à gauche. Arrive un moment.
Terre. Terre, 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 terre. Qu'est-ce qui bat la terre? Ah, bah, je vais avoir de la visite. Attendez. Alors, qu'est-ce qui bat la terre? Excusez-moi. C'est l'eau qui bat la terre. Donc, pour battre cet homunculus, il faut que je sois en eau. Mais... Ok. On le saura. On le saura, il y en a un ici. Je devrais faire un aller-retour. Ouais, c'est pas grave. Là, l'objectif, ce serait de trouver. Sur la bonne voie, de cas. Alors, ce qui est bien, c'est que j'ai déjà un mercure dans l'inventaire. Et on va essayer de trouver quand même le morceau de mercure avant. Bon, logiquement, il doit pas être loin, hein, mais... Ouais, bon. Bon, on va activer ça. C'est pas grave. Alors, elle était où cette pierre? Elle est là-bas. Putain, j'ai déjà parcouru ça. Non mais il va vite notre perso mine de rien. Bon, allez du coup. Lac de la montagne. Ok. Non, c'est pas là. On va monter, on va voir. Oh. Ah, cette blague de développeur! Ah, cette blague de dev! Ah, bordel! Ils ont mis un énorme tout doux ici! Ah, cette blague de dev! Cette blague de développeur! Tout doux, ça veut dire à faire. C'est-à-dire que la zone, elle est pas faite, elle est à faire. Ah, vous êtes des génies! Ah la vache.
Bon, continuons notre quête. Je suis en train de m'enfoncer là, je sais pas. Je me dirige visiblement pas au bon endroit. Je sais pas pourquoi il a décidé de passer par là. Du coup, bah ouais, me revoilà ici. Du coup, m'en fiche un petit peu. Du coup, bah je vais retourner à la guilde de l'eau rapidement. Guilde de l'eau, on va aller à l'altar rapidement. Enfin, à l'hôtel. Ok. J'ai pas vu ça. Oh bah, d'accord. Quoi qu'il en soit, du coup je retourne à la pointe nord et on va aller se faire l'homoncule qui est là-bas. Allez. Du coup il était par là, hein, c'est ça? Un peu plus loin. Là-bas. Attendez, excusez-moi. Hop. Non, c'est bon. Allez, let's go. Il y a un truc là. J'ai vu un truc. Non, c'était en fait un pied de sapin. Ok. Du coup. Du coup, il reste un endroit que j'ai pas visité. Mais j'ai quand même envie. De revenir par là. Parce que clairement, il y a un truc ici que j'ai pas visité. Il y a forcément un truc ici qui m'a échappé. Ouais. Bon, il y a un truc qui m'a échappé et je dois aller par là. Plus haut. Il y a un truc en haut.
mon avis, j'ai raté un truc en haut. Je suis quasiment sûr que j'ai raté un truc en haut. Bah, le... Ouais, parce qu'il y a le to do, là. Mais le to do, là, après. Il est pas à la pointe. Ah si, je suis à la pointe, en fait. Je pensais qu'il y aurait autre chose à faire. Donc, à mon avis, il doit manquer un élément. Ça doit être... À mon avis, l'élément de terre doit être ici. Et... Ou de feu, il doit être là, et je ne l'ai pas. Et si l'élément de feu, je ne l'ai pas, ça veut dire qu'il me manque il me manque de quoi faire un élémentaire. Avoir 7 cœurs. Et pour le moment, j'en ai 3. Question. L'eau par rapport à l'air. L'air surpasse l'eau, donc en étant sous ma forme d'eau, enfin d'alchimiste d'eau, je ne peux pas affronter l'homoncule de d'air. Il me faut la terre pour ça. Je suis où là? Ouais, ok, nickel. Je suis là où je voulais. Par contre, je me dirige dans la mauvaise direction. Ok. Bon, clairement, je suis dans le territoire du feu, hein. Bon. C'est excellent, c'est exactement ce qu'il me fallait. Du coup, c'est ça, faut que je suive ça. À mon avis, il faut que je suive ce truc-là. Et ça va m'amener au... À la guilde du feu. Alors, sauf qu'apparemment, il va falloir que je tombe. Ah, faut que je saute de l'autre côté. Je suis pas au bon endroit. Je vais être bloqué. Si je vais par là, je vais être bloqué. Je suis au bon endroit, mais pas du bon côté. Du coup, en fait, il faut pas que je passe par là. C'est con. Et là, tu peux passer là. Il veut pas que je passe par là. Pourtant, c'est clairement le chemin, quoi. Allez là, tu peux là, ouais, tu peux. Ok, super. Ah bah c'est juste là en fait. Eh ben, salut.
rejoins notre guilde. Oui. Bon, ok. Alors, par contre, là, ça a l'air d'être un petit peu moins évident où ils sont. En tout cas, je peux activer ça. Faut que je trouve les 10 grammes. Du coup, je suis sûr qu'il va falloir que je remonte le volcan, donc j'étais pas loin. Ouais, il va falloir que je remonte ça. L'avantage, c'est que je pourrais me TP directement quand j'aurai tous les grammes de feu. Alors par contre, non, donc vaut mieux que je sois en eau, de toute façon. Parce que si j'étais en air, je serais défavorisé si je tombe sur un élémentaire de feu. Si je tombe sur un élémentaire de feu, on peut tenter avec l'eau. Mais je ferai peu de dégâts. Enfin, je ferai pas. J'aurais pas réellement d'avantage, mais j'aurais pas de désavantage non plus. Ouais, je vais me faire poutrer, quoi. Si je tombe sur un. Sur un homoncule. Voyons un petit peu. Ah, bon. Bon, eh ben, on va juste faire cette petite quête-là rapidement. J'ai quelqu'un qui arrive. Je veux jamais être tranquille. Bon, c'est pas grave. Essayer de faire cette quête-là rapidement avant que le collègue arrive. Alors, je vais maintenir la flèche vers le haut pour avoir une visibilité parce que. Ouais, bah heureusement que je peux pas chuter, hein. Ça fait 5. Eh ben, ça. Ça grimpe, hein. Ok. Et là, évidemment. Ah. Alors ça, c'est la bonne nouvelle. Et je vais sauvegarder avant de m'approcher des. De sang. Qui est sur mon cul de feu. C'est bon, je l'ai activé, hein. Ouais, je l'ai activé. Donc, ils n'ont pas été faciles à obtenir. Voilà. Et du coup. On va pouvoir aller se faire les élémentaires d'air.
Est-ce que j'aurai le temps avant que la compote arrive? Easy. Ça fait 4... Ah bah c'est bon. Bah non, ah non, il me manque encore un élémentaire quelque part. Parce que là, j'en ai, il me reste deux élémentaires de feu. Par contre là, j'ai trouvé qu'un seul élémentaire de d'air. Bon. Et il me reste aussi un... Il me reste encore le... Et c'est la guilde de la Terre. Et je sais pas où elle est. Du coup, j'ai dû la rater. Elle doit possiblement être par là. Bon, c'était le terrain. Ok. Du coup, est-ce que l'aubergiste veut bien me soigner gratuitement sans que j'aie utilisé un sel? Alors, j'aime bien parce que j'ai eu un bruit de... J'ai eu un bruit d'argent. Mais O, R, fer... Ouais, ok, d'accord. Du coup... Bon, bah écoutez, je mets en pause là l'enregistrement et je vous retrouve plus tard. Bien, on est reparti. Donc, il me reste un peu moins de 3 heures pour tourner. On va essayer de finir ça en 3 heures. Donc ça, oui, ok, hein, ça c'était... Voilà. Mais je peux attaquer en fait, non? Bon, on verra bien. Mais le jeu me propose de... Enfin, visiblement, les PNJ ont de la vie. Ouais, les PNJ ont de la vie. Du coup, ok. Du coup, il nous manquait... Où est-ce qu'ils peuvent bien être? Pour moi, il serait potentiellement là. On va revoir. On va. Est-ce qu'il y a une logique? Pas vraiment. Du coup. Du coup, on va partir vers le nord.
Pas par là du coup, par là. Mince. Oh, caméra de l'enfer. Par contre, on va regarder légèrement par là. Si on voit une clairière, quelque chose. Voir s'il y a un autre boss dans le coin. Y a quelque chose là. Ok. Donc j'ai bien fait d'aller à cette pointe-là. Là, là il y a quelque chose. Putain, c'est grand. Ah. C'est qu'on n'est pas loin. C'est qu'on n'est vraiment pas loin. C'est qu'on est vraiment, vraiment pas loin. Ah, je les ai. Ils sont là. Je récupère tout de suite les cailloux là. 6. Pas ce que je voulais, mais c'est pas grave. En même temps, j'essaye de voir s'il n'y a pas le... Le coffre qui contiendrait le cristal d'activation du coin. Ah, je l'ai. Au moins on a ça. Il me manque un. Il me manque une pierre, hein, je crois. Oh purée, il est beurré. Dans les arbres, il est complètement paumé, mon personnage. Hein. Ouais, j'en ai cuite. J'en ai cuite, il m'en manque deux. Ça sert à rien d'aller parler à l'autre tant qu'on n'a pas les deux, ça servira à rien. Ok, l'altar il est là déjà. Enfin l'altar, l'autel. Là-bas, je l'ai vu. Et là-bas. Voilà. Faut juste s'éloigner un petit peu.
Bonjour, madame. Eh ben, let's go. On va se faire les élémentaires de terre. De feu, pardon, les élémentaires de feu. Zut, le... Je l'avais à l'instant, le... Ah merde. Bah zut. Je l'avais il y a 2 minutes. Ok. Et on a tous les points. On a tous les points de TP. On est full vie. Let's go.